reading my paper in Ray's Cafe. The old guy next to me is loud as day. Ramble and ramble while eating his pie. He dropped his wallet, now it's mine. Alors, le problème avec les voyages, c'est que ça fatigue très vite. Donc là, on est à Kuala Lumpur. On est parti le 2 octobre à 21h de Roissy Charles de Gaulle à Paris. C'est notre deuxième escale. On a fait une première escale ce matin au sud d'Andaman. Et là, c'est la deuxième escale à Kuala Lumpur en Malaisie. Et du coup, on est un peu crevé. On a 12 heures d'escale. Avant 5 dernières heures d'avion pour arriver à Perth en Australie. Et du coup, certains d'entre vous ont pillé un peu. J'ai fait la même tout à l'heure. Pas tout d'euros. Ça coûte moins cher de dormir dans l'aéroport que de payer l'hôtel pour soir ou la nuit. Au courant de nos aventures. Won't have a oh to worry about it. Qu'est-ce que ça représente l'Australie pour toi? L'aventure. L'aventure? Ouais. Grandir. Grandir? Ouais. Mais t'es déjà plus grande que moi. Dans la tête, mûrir. Se trouver, j'espère. On apprend plus sur moi, c'est tout. Ok. Puis on apprend plus sur nous aussi. Et pourquoi l'Australie? Je sais pas. Je voulais un pays anglophone de base. Mais je sais pas, c'est à l'arc. C'est grand. Ça, c'est sûr, c'est grand. Hein. C'est sauvage. Dans mon inconscient. Je sais pas, ça fait rêver, ça fait l'autre poussée. C'est très dépaysant, tu t'attends à beaucoup dépayser ou pas trop? Je sais pas. Je sais que ce sera pas aussi dépaysant qu'un pays du tiers-monde ou un truc comme ça. Enfin, ça reste un départ soft, on va dire, dans les voyages au long cours. Enfin, c'est pas trop brutal en fait comme voyage, ça reste assez occidental. Je pense que c'est ce mélange en fait de sauvage, mais pas trop non plus. Qui est pas mal. Puis les gens sont apparemment sympas, donc ça devrait me plaire. Il paraît, ouais. Voilà. Et j'aimerais voir le diable de Tasmanie. Et les cocas, et les kangourous. Les roux, comme on les appelle. Et ouais, les animaux là-bas. Même les araignées, j'ai envie de les voir, tu vois, ce genre. Ah, t'as vraiment envie de voir les araignées? Bah, ça fait partie du truc, quoi. Si tu les vois pas, t'as pas été en Australie. Ok. Et une fois que tu les auras vus, c'est quoi ta première réaction? Je partirai en hurlant. Mais je les aurais vus. Bon, et là, bon, ça fait une 24 heures là qu'on est parti. Moi perso, c'est le plus gros voyage que j'ai jamais fait. C'est pareil pour toi. T'es déjà jamais sorti de l'Europe toi, en non plus. C'est la première fois, ouais. Parce que c'est pas un petit orteil plongé dans l'océan, on envoie tout de suite à l'aide du monde. Et tu sais quoi? Quoi? T'es très belle. T'es encore plus belle quand t'es dégueulasse. Je sais pas comment je vais apprendre.